Oh purée! Oh purée! En plus, je me suis fait mal. Enfin, elle est là! Enfin, elle est là, cette console! Oh là là, j'ai tellement galéré à la voir! Oh putain, allez, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, les gars! On va l'ouvrir, j'en peux plus! Hands up, no, y'all, fuck that. Keep something tough when they jump, got a buck back. Black lives matter, yeah, I'm losing my voice. So mine for survival, y'all removing my choice. It's fucked up. Eh bien, salut à toutes et à tous, les gars, c'est Compton 3987. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars. Vidéo unboxing de cette grosse bête. De cette grosse bête que j'ai tellement attendu, les gars. Que j'ai tellement attendu. Voilà, vous l'aurez compris, unboxing de la PS5, donc version CD. Cette grosse bête, les gars, que j'ai attendu, mais laissez tomber, il m'est arrivé de ces trucs avec ça, on m'a niqué, comment dire, on m'a arnaqué, après sur Amazon, il y a eu un drop, en fait, c'est une arnaque, j'ai été remboursé, mais j'ai eu que des galères avec ça, les gars, il y a un moment, je me disais, écoute, laisse tomber la PS5, c'est pas pour toi, si ça veut pas, c'est que ça veut pas, mais bon, cette fois-ci, j'ai réussi à l'avoir, les gars, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Et on est parti pour l'unboxing de cette console, les gars. Allez, c'est parti. On va commencer. Voilà. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est compliqué, quoi. On va commencer par ouvrir ça. Là, du coup, on va plus me voir. Je sais même pas si... Oh, la galère. Ouais, c'est un petit peu galère, les gars. Voilà. Donc, la console est là-dedans. Donc, voilà la boîte, hein. Oh là là les gars, je suis content, enfin j'ai cette PS5. Alors j'espère que la vidéo ça ira au niveau de l'éclairage. Donc du coup, hop, alors. Oh, je vais peut-être y mettre par terre, ça sera beaucoup plus simple. Pour moi les gars, de toute façon je vais tout vous montrer à l'écran, vous inquiétez même pas. Alors, déjà qu'est-ce qu'on a? Oh, les petits magazines que personne lit, à part quand c'est en panne et encore. Voilà, les petits livrets PlayStation, hein, PlayStation 5. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le câble d'alimentation qui est le même depuis X années chez PlayStation. Hein. Bon, à part pour la PS3 FAT, c'était un gros câble d'alimentation d'ordinateur, mais sinon pour la PS2 Slim, c'était exactement le même câble. Pour la PS3 Slim, etc., exactement le même câble. En fait, c'est un câble que vous trouvez aussi sur les postes de radio. Donc voilà. Ensuite, nous avons la fameuse manette, les gars. Oh, putain. La fameuse manette, les gars. Regardez ça. Ah, je sais pas si vous voyez, les gars. Elle est magnifique, cette manette. Elle est magnifique, mais elle coûte bien cher. Hein, parce que ce matin, j'ai fait un tour dans un magasin. 74 euros. Hein. Bon, après, il y a moins cher sur Internet. Mais voilà, la manette, du coup. Elle, franchement, prise en main, ouais. Alors, elle est un peu plus large que la manette de Xbox, j'ai l'impression. Mais parce que voilà, j'ai la Xbox Series S aussi, hein, pour ceux qui ont vu l'unboxing au mois d'octobre dernier. Oh franchement, mais sinon elle est trop bien cette manette. Donc voilà, la manette les gars. Hop. Ensuite. Alors, nous avons quoi? Alors il y a encore des câbles. Bon ça, c'est le chargeur type C pour la manette. Tout simplement. Alors là... Le câble HDMI, c'est toujours cool d'avoir un câble HDMI en plus. De toute façon, j'en ai déjà pas mal. Donc voilà. Ça doit être le socle de la console. Ouais, c'est ça. C'est le socle de la console. Mais à ce que j'ai entendu, apparemment, c'est mieux de la mettre couchée que debout. Je ne sais plus pourquoi, mais apparemment, c'est mieux. Donc voilà. Et maintenant... Voilà, elle est bien dedans, on ne l'a pas remplacée par des bouteilles d'eau, des blocs de béton. Il aurait pu m'arriver des trucs pareils. Hein. Mais par contre là, ça va être chaud. Ça va être extrêmement chaud. Putain. Oh là là. Je suis en train de galérer les gars. On va pas trop... Putain, elle pèse un âne mort. Voilà les gars, la bête. Ah oui, putain, en effet. Elle pèse son poids quand même. Ouh là là. Par contre, elle est très bien protégée. Je sais même pas comment je vais faire. Ah oui, d'accord. Oh là là.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça sent le neuf, hein. Alors voilà. Voilà cette fameuse PS5 que j'ai tellement galéré à avoir. Elle est ultra lourde, hein. Elle est extrêmement lourde. Alors je vais en prendre le plus grand soin. Donc voilà la bête, hein. Voilà la bête. Donc ouais, je pense que je la mettrai plus couchée, les gars. Donc voilà, on a les ports USB. Donc voilà, version disque, hein, les gars. Version disque, moi je préfère. Je préfère avoir les disques parce que ma Xbox Series S c'était dématériel, mais c'est que je voulais absolument une console next-gen, attendant que les prix de la PS5 baissent. Mais du coup, la PS5 tellement galère d'avoir à son bon prix. Je ne dirai pas le prix, les gars, hein, voilà, pour pas forcément, hein, parce que wow, y a peut-être des critiques qui vont arriver et tout, mais j'ai tellement attendu cette console, j'ai tellement galéré à l'avoir que j'y croyais vraiment plus. Et là, je l'ai, et franchement, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Elle est magnifique, mais elle pèse son poids. Hein. Elle pèse son poids. Au niveau du prix, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai payé moins de 1000 euros. Donc voilà, et moins de 900 aussi. Voilà, je ne l'ai pas payé non plus 1000 balles, ça aurait été hors de question. Mais là, qu'est-ce que je suis content, les gars. Qu'est-ce que je suis content. Ben, voilà la bête. Hein. Voilà la bête, les gars. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Voilà, de toute façon, c'est juste une boxing, mais je testerai tout ça plus tard. Là, je vais aller manger. Et puis voilà, les gars, puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, cette manette, putain, qu'est-ce que je la kiffe. Bah voilà, les gars. Voilà. Voilà, voilà. Putain, je vais essayer de faire une miniature comme ça, les gars. Hop. Et là, t'as la manette, là. Miniature comme ça, là, pour la miniature. Ah, qu'est-ce que je suis content, les gars. Ben voilà, en tout cas, les gars. Maintenant, je vais remballer, je vais ranger tout ça. Je vais pas la brancher tout de suite. Et puis voilà, les gars. Voilà, voilà, pour ce petit unboxing. J'espère qu'on aura bien vu à l'écran. S'il y a des trucs qu'on voit pas forcément, je suis désolé. Mais voilà, voilà, enfin, Compton à la PS5. Et qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Eh ben, reprise de Minecraft, Craft Police, avec la putain de distance d'affichage, les gars. Faut déjà que j'arrive à bien transférer mes sauvegardes. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ben, en tout cas, les gars, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui ont mis un maximum de likes, qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Allez, salut tout le monde et merci de m'avoir regardé, les gars. Allez, salut tout le monde et n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, les gars. Allez, salut à tous.